La Coupe du Monde 1938. On est en France, les amis. Et le Brésil, c'est le seul pays du Sud-Amérique qui a fait le voyage pour être en France pour cette Coupe du Monde. Et il y a eu des histoires avec les Brésiliens. Le football samba, vous allez me dire, pas tout à fait. Attention, il y avait la bagarre de Bordeaux. La bagarre de Bordeaux, oui, quart de finale entre le Brésil et la Tchécoslovaquie. Ça devient n'importe quoi, tellement cette rencontre est violente. 3 joueurs exclus avant la pause, parce qu'il y a eu une espèce de mini-match de boxe anglaise, l'arbitre qui a dû séparer tous les joueurs. À la fin du match, on compte plusieurs blessés. Le gardien tchèque, il a le bras cassé, un autre joueur tchèque qui a une jambe cassée, et le Brésil avance jusqu'en demi-finale. Il y avait une star à cette Coupe du Monde, c'était un Brésilien, le Neymar de son époque, s'appelait Leonidas. Mais non, ce n'est pas une boutique de chocolat belge. Leonidas, à l'époque, c'était la star de l'équipe du Brésil. Et donc, avec 7 buts en 4 matchs, c'est vraiment le superstar. Sauf que, erreur monumentale du sélectionneur de cette équipe de Brésil, qui décide que son équipe est tellement au-dessus, pour la demi-finale contre l'Italie, il reste sur le banc, Leonidas. Il le met sur le banc, tellement il est sûr de lui, contre le champion du monde. Eh bien, le Brésil perd, il revient, il joue le match pour la 3e place. Mais vraiment, les amis, comme quoi, c'était pour la médaille en chocolat.